لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي في الله وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فبحمد الله عز وجل نواصل دروسنا فيما يتيسر من شرح الأرجوزة المائية في ذكر حال أشرف البرية للعلامة ابن عبد العز الحنفي رحمه الله تعالى، بشرح الشيخ الفاضل عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر حفظهم الله جل جلاله. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: الحمد لله القديم الباري، ثم صلاته على المختار، وبعد هكا سيرات الرسول منظومة مجازة الفصول. مولده في عاشر الفضيل، ربيع الأول عام الفيل، لكنما المشهور ثاني عشره في يوم اثنين طلوع فجره، ووافق العشرين من نيسان، وقبله حين أبيه حان. وبعد عامين غدا فطيمة، جاءت به مرضعه سليمة، حليمة لأمه، وعادت به لأهلها كما أرادت. فبعد شهر انشقاق بطنه، وقيل بعد أربع من سنه، وبعد ست مع شهر جاء وفاة أمه على الأبواء. وجده للأب عبد المطلب، بعد ثمان مات من غير كذب. ثم أبو طالب العم كفل خدمته، ثم إلى الشام رحل. وذاك بعد عام عامه الثاني عشر، وكان من أمر بحير ما اشتهر. فوصلنا إلى هذا البيت الكريم، وبحمد الله عز وجل ذكرنا حواديث عديدة من بداية شرح هذه القصيدة المباركة. من هذه الحوادث الأولى مولده يوما وتاريخا وشهرا وعاما. Donc, on poursuit بإذن الله عز وجل l'explication du poème de l'imam Ibn Abi al-Izz al-Hanafi intitulé Al-Urjouza al-Mi'iyya. Al-Urjouza al-Mi'iyya. طيب. Et depuis le début de son explication, on a mentionné plusieurs événements. طيب. Donc on va les résumer, Inch'Allah, un par un. Le premier événement que le poète, l'auteur, rahimahullah, a mentionné, c'est sa naissance, la naissance
du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc sa naissance, c'est-à-dire le jour où il est né, la date à laquelle il est né, le mois où il est né et l'année. Vous voyez? Donc le jour, il est né quel jour? Lundi. Non, il est né un lundi, Yom el-Ithnayn. Il est né un lundi. Quelle date? Le 5. Non. Là. Non. Donc on a cité trois avis en tout. On a cité le 12, on a cité le 10 et on a cité le 8. On avait dit que la plupart des ulama, des savants, ils ont dit c'est le 12. Mais la parole où il y a une preuve concrète, c'est le 8. D'accord? Un lundi, 8. Le mois, quel mois? Le 8, mais de quel mois? Hein? Là. Non, le mois, c'est l'année. Le mois. Hein? Non. La Rabi'in al-Awwal. Rabi' al-Awwal. D'accord? Donc, le 8, lundi 8, Rabi'in al-Awwal. L'année? Am al-Fil. L'année de l'éléphant. D'accord? Donc, souvenez-vous, sa naissance, lundi 8, Rabi'un al-Awwal, Am al-Fil. D'accord? Lundi 8, le mois de Rabi' al-Awwal et l'année de l'éléphant. Jayyid. Al-Haditha al-Thaniya hiya wafatu abihi. Le deuxième événement qu'on a mentionné, c'est la mort de son père. La mort de son père qui s'appelait comment? Abdullah. Ibn Abdul Muttalib. Abdullah ibn Abdul Muttalib. Il est mort, il avait quel âge le prophète sallallahu alayhi wa sallam? 13. Là. 40 ans? Un an? Là. Okay, avant 15 ans? Non, il était dans le ventre encore de sa mère. Wow. D'accord, il était encore dans le ventre de sa mère. Taïeb? Thalitha, rada'uhu fi bani Sa'd. Rada'uhu fi bani Sa'd. Troisième événement qu'on a mentionné. Son allaitement, il a été allaité. Il a été allaité par sa mère, par sa mère Amina, là, sa mère Amina. La deuxième qu'il a allaité, c'est Thouaïba. La deuxième et la troisième, Halima. Halima, donc Halima de la tribu de Sa'd. De la tribu de Sa'd. Al-Haditha, al-Rabi'a, shaqqu sadrihi al-Sharif. Le quatrième événement qu'on a mentionné, l'ouverture de sa poitrine quand il était petit. Quel âge il avait? Hein? Non, il y a deux avis. On a cité deux avis. Certains disent 2 ans. Certains disent فبعد عام شقاق بطنه. Après donc 2 ans. Vous voyez? Après 2 ans. Et d'autres disent 4 ans. Hein? Comme قال الناظم فبعد شهرين شقاق بطنه, c'est-à-dire 2 ans, بعد شهرين, 2 ans et 2 mois, 2 ans et 2 mois. Certains disent بعد 40, 4 ans. الخامسة وفاة أمه, cinquième événement, la mort de sa mère, la mort de sa mère. Donc Amina, Amina bint Wahb. Amina bint Wahb, la fille de Wahb. Jayed, il avait quel âge? 6 ans. Non. Hein? Oui. Non, 6 ans. 6 ans. Jayed. Donc, à l'âge de 6 ans. Comme il a dit, ici l'auteur, il a dit, wa ba'da sittin ma'a shahrin ja'i. Après 6 ans et 1 mois. 6 ans et 1 mois. Sa mère, elle est morte. السادسة وفاة جده عبد المطلب. Sixième événement mentionné, la mort de son grand-père عبد المطلب. D'ailleurs, donc son grand-père il s'appelait عبد المطلب. Quel âge il avait? Non, 8 ans. Hein? 8 ans. Pour ça il faut revenir au poème. C'est pour ça que j'encourage les frères et les sœurs de mémoriser ce poème afin de retenir tout ça très facilement.
Tu ne peux pas oublier. Une fois que tu as mémorisé le poème, une fois que tu as appris, par exemple, le vers وجده للأبي عبد المطلب بعد ثمان مات من غير كذب بعد ثمان بعد ثمان 8 après 8 années من غير كذب السابعة كفالة عمه أبي طالب ابن عبد المطلب septième événement qu'on a mentionné la tutelle de son oncle paternel qui est Abu Talib. Donc après la mort de son grand-père, il est parti vivre avec son oncle, qui s'appelle Abu Talib ibn Abdel Muttalib. Abu Talib ibn Abdel Muttalib, c'est-à-dire c'est le frère de son père, le frère d'Abdullah. Thamina, safaruhu ma'a ammihi Abi Talibin ila Sham. Huitième événement qu'on a mentionné, c'est quoi? Le voyage qu'il a fait avec son oncle. Le voyage qu'il a fait avec son oncle en direction du Shem. En direction du Shem. Hein, et on a raconté donc ce qui s'est passé pendant ce voyage, quand ils nous ont rencontrés, notamment sans parler des choses extraordinaires qu'il y a eu pendant le voyage, quand les nuages, hein, ils suivaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le couvrir, ainsi que les arbres qui le recouvraient pour le protéger du soleil. Jusqu'à ce qu'ils aient rencontré un moine chrétien qui s'appelait comment le moine? Hein? Bahira. Ben, il s'appelait Bahira, c'était un chrétien. Et lui, quand il a vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, il a dit que lui, il va devenir un prophète. Il a vu les signes de la prophétie sur lui. Il a vu les signes de la prophétie sur lui et il leur a dit de parler au Shem pour pas qu'il se fasse tuer par les chrétiens et les juifs. Il avait quel âge, le prophète? Hein? Non. Qu'est-ce qu'il dit, le poète? C'est pour ça qu'il faut apprendre le poème. Hein? Il dit وَذَاكَ بَعْدَ عَامِهِ ثَانِي عَشَرْ. C'est combien, ثَانِي عَشَرْ? 12. Donc, il avait 12 ans. التَّاسِعَ سَفَرُهُ مَعَ مَيْسَرَ غلام خديجة في تجارتها إلى الشام. Neuvième événement qu'on va mentionner maintenant, Inch'Allah, on ne l'a pas encore vu, on va le voir maintenant, Inch'Allah. Le voyage qu'il va faire avec un certain Maysara. Maysara, c'était le servant de Khadija. Le servant de Khadija, la première épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est parti donc, en direction du Shem, encore une fois, comme la première fois avec son oncle, mais ici pour le commerce. Il est parti pour faire du commerce avec les biens de Khadija. طيب نعم اذا قال المؤلف رحمه الله تعالى وصار نحو الشام اشرف الورى في عام 25 اذكورا لامنا خديجه متاجرا وعاد فيه رابحا مستبشرا فكان فيه عقده عليها وبعده افضاؤه اليها فقال الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله ذكر الناظم في هذه الآيات الثلاثة رحلة النبي صلى الله عليه وسلم الثانية إلى الشام وهي رحلة لأجل التجارة بمال خديجة رضي الله عنها وكانت سمعت عنه ذكرا طيبا وخلقا فاضلا وأمانة وصدقا ووفاء فأحبت أن تتاجر معه بمالها بحيث يكون منها المال ومنه عليه الصلاة والسلام المتاجرة به فسار عليه الصلاة والسلام نحو الشام فقال وسار نحو الشام متاجرا بمال خديجة رضي الله عنها أشرف الوراء أي من سار ومن سافر إلى الشام أشرف الوراء أي أفضلهم وخيرهم ومقدمهم وإمامهم صلوات الله وسلامه عليه. Donc on passe au vers suivant. Il dit l'auteur وصار نحو الشام أشرف الوراء في عام 25 أذكرا.
Donc il dit ici Ibn Abil'iz, dans ces trois versets-là, il va mentionner le deuxième voyage du prophète. Donc on a dit le premier voyage, c'était avec son oncle, Abu Talib, en direction du Shem. Là, c'est le deuxième voyage qu'il a fait, en direction également du Shem. Pareil, la même direction. Mais c'est un voyage, cette fois, qui a été fait pour le commerce. Pour le commerce avec l'argent de Khadija, avec les biens de Khadija. Il n'était pas encore marié avec elle. Donc, il n'était pas encore marié avec elle. Et donc, grâce à ce voyage-là, Khadija, elle a entendu beaucoup de bien de lui. Vous voyez, parce qu'il est parti avec le servant de Khadija, Maysara. Donc, Maysara, quand il est revenu, il a raconté que du bien sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, durant le voyage, tout ce qu'il faisait, etc., etc. Notamment le comportement noble qu'il avait, comment il était loyal, comment il était honnête, comment il était véridique, comment il respectait yani, les engagements qu'il avait pris, etc., etc. Et donc, elle, avec tout ça, donc, pourquoi elle a envoyé avec Maysara d'abord? Ben justement parce qu'elle avait déjà entendu tout ça de lui, par rapport à lui. Donc, elle a choisi Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il parte avec son argent, avec ses biens, faire du commerce, parce qu'elle avait confiance en lui. Jayid. Donc, c'est ça. Ici, elle, comme ils ont dit ici, Muttajiran wa ada fi rabihan mustabshira. C'est-à-dire qu'elle a délégué ce commerce-là au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En arabe, on dit ici, al-mutajara, dans le sens où elle lui a confié ses biens et afin que lui, il commerce avec les biens de Khadija. Et lorsque tu reviens, ils se mettent d'accord sur un pourcentage. Je travaille pour toi avec tes biens et à la fin, on divise la part comme on l'a convenu. Et donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est parti avec les biens de Khadija vers le Sham. Il dit l'auteur, Wasara nahwa Sham. Et il est parti vers le Sham, mutajiran bimal Khadija, pour commercer avec les biens de Khadija. Radiallahu anha. Il dit l'auteur, Ashraful wara. Donc, le wara, c'est les humains. Le wara, ça veut dire les humains. Ou les créatures. Ashrafu al-wara, c'est-à-dire la plus noble des créatures. Le plus noble des humains, le meilleur des humains. Hein? Et leur guide, le modèle. Sallallahu alayhi wa sallam. Thumma qala an-nazimu fi 'ami 25 fkura. Fi ayy 'am? Fi 'am 25. Ay lamma balagha min al-'umr صلوات الله سلامه عليه 25 سنة خرج في رحلته الثانية إلى الشام ليتاجر بمال خديجة رضي الله عنها قال الحافظ ابن كثير رحمه الله ثم خرج ثانيا إلى الشام في تجارة لخديجة بنت خويلد إذن اسمها خديجة بنت خويلد رضي الله عنها مع غلامها ميسرة على سبيل القراض فرأى ميسرة ما بهره من شأنه فرجع فأخبر سيدته بما رأى فرغبت إليه أن يتزوجها لما رجت في ذلك من الخير الذي جمعه الله لها وفوق ما يخطر ببال بشر فتزوجها رسول الله عليه الصلاة والسلام وله 25 سنة 25 سنة فكان لها رضي الله عنها 40 سنة في الجلوتر رحمه الله في عام 25 ذكرى لا على ني ولا 25e année c'est-à-dire lorsqu'il avait 25 ans lorsqu'il avait 25 ans le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc lorsqu'il a eu 25 ans il est sorti pour faire ce deuxième voyage en direction du Shem comme on a dit, afin de faire du commerce avec les biens de Khadija, radiallahu anha. Il dit le Hafidh Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, il dit ensuite, il est sorti une deuxième fois vers le Shem pour faire du commerce avec, pour Khadija,
Bint Khouwaylid. Donc Khadija, son nom c'est Khadija Bintu Khouwaylid, la fille de Khouwaylid. Jayid. Avec un servant à elle. Donc il n'est pas allé tout seul, il est allé avec un de ses servants, hein, qui s'appelait Maysara. Maysara. Ala Sabil Qirad. Donc cette façon de commercer, yani d'employer quelqu'un, de lui donner ses biens, afin qu'il fasse du commerce avec tes biens à toi, en arabe on dit El Qirad. Cet acte-là, c'est El Qirad. Et donc, durant le voyage, Maysara, encore une fois, il a vu des choses, yani, qui l'ont très étonné par rapport au comportement de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc lorsqu'il est revenu, il a tout dit à, yani, à sa maîtresse Khadija. Donc Khadija, lorsqu'elle a entendu ça, eh bien elle a ressenti la volonté et le désir de l'épouser, d'épouser le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'était pas encore un prophète, hein. Donc c'était pas encore un prophète. Elle a ressenti à ce moment-là de l'envie de se marier avec lui par rapport donc à tout le bien donc également qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a rassemblé pour Khadija. D'ailleurs, c'est des bienfaits pour Khadija, devenir la première femme de quelqu'un qui allait devenir le prophète d'Allah tabarak wa ta'ala. Donc ça c'est le plus grand des bienfaits qu'une femme pourrait avoir, hein, c'est le fait de se marier avec un messager d'Allah tabarak wa ta'ala. Et donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a épousé Khadija radiyallahu anha, et il avait combien, hein, 25 ans. Donc il avait 25 ans, voyez. Donc ça s'est passé, on comprend que ça s'est passé la même année que son voyage, d'accord. Il est parti à 25 ans et il l'a épousé également à 25 ans. Et elle avait quel âge? 40. Elle avait 40 ans. Elle avait 40 ans. Ok. Ils avaient combien de différence? 15 ans. Il avait 25 ans, il avait. Donc ils avaient 15 ans de différence. Ça y est. Les Ummina Khadija. لماذا نسميها أمنا باعتبار أنها صارت بعد زوجا للنبي صلى الله عليه وسلم وقد قال الله تبارك وتعالى وأزواجه أمهاتهم. Donc il dit l'auteur لأمنا خديجة متجرة pour notre mère Khadija, c'est-à-dire pour la mère des musulmans, la mère des croyants. Donc, pourquoi on appelle notre mère? Ben parce que une fois qu'elle est devenue l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est devenue en même temps la mère des croyants. Donc c'est notre mère Khadija. Car Allah tabarak wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Wa azwajuhu ummahatuhum. Wa azwajuhu ummahatuhum. Et ses épouses sont leur mère. C'est la mère des croyants. Mutajiran ay mutajiran bimaliha على وجه القراض ويقال له أيضا المضاربة بحيث يكون من أحد الشخصين المال ومن الآخر العمل. Donc il dit l'auteur mutajira. Pour notre mère Khadija, mutajira. Il est parti mutajira, c'est-à-dire afin de commercer avec les biens de Khadija على وجه القراض. C'est-à-dire le qirad, on l'a dit tout à l'heure, le qirad, c'est quelqu'un. Imagine que toi tu as de l'argent, tu as des biens, et bien tu donnes à quelqu'un, tu lui dis tiens mes biens, tu vas commercer avec et à la fin on va partager les profits. En arabe on dit el-qirad, on peut dire aussi el-mudaraba. El-mudaraba on peut le dire aussi. Taïeb, de sorte à ce que donc l'une des deux personnes, c'est elle qui va investir l'argent, les biens, et la seconde personne, elle va travailler. C'est elle qui va partir, vendre, etc. etc. Là. وعاد فيه يعني عاد عليه الصلاة والسلام من هذه الرحلة التجارية بمال خديجة رضي الله عنها رابحا لأن التجارة في تلك الرحلة أربحت ورجع عليه الصلاة والسلام مستبشرا أي مسرورا
فرحا بما يسره الله سبحانه وتعالى في هذه الرحلة من خير وما هيأه فيها من كسب. Puis dit l'auteur, rahimahullah ta'ala, wa'ada fihi, puis il est revenu. C'est-à-dire, il est revenu de ce voyage, de ce second voyage, avec les biens de Khadija, il est revenu. Il est revenu comment ? Rabihan. Rabihan, na'am. Pourquoi ? Gagnant. Parce qu'il est revenu, après avoir commercé dans ce deuxième voyage-là, qui a ramené beaucoup de bénéfices. Beaucoup de profit pour Khadija radiallahu anha. Donc il est revenu, comment il était? Mustabshira. Mustabshira, c'est-à-dire masrura. Content, il était joyeux, il était heureux. Heureux de ce qu'Allah tabarak wa ta'ala lui a donné, lui a facilité durant ce voyage et dans lequel il a eu donc beaucoup de biens et beaucoup de bénédictions et de profit. Fakana fihi ay hadha al-'am. عام 25 من عمره عليه الصلاة والسلام عقده عليها وبعده إفضاؤه إليها أي أنه صلى الله عليه وسلم عقد فيه على أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وبنى بها. Puis il dit donc فكان فيه, c'est-à-dire durant cette année-là, l'année où il avait donc 25 ans, eh bien, il dit « عَقْدُهُ عَلَيْهَا ». C'est-à-dire, il s'est marié avec elle. Il a contracté le contrat de mariage, il a fait le contrat de mariage avec Khadija, radiallahu anha, la mère des croyants, et « وَبَنَا بِهَا », c'est-à-dire, donc il a eu des rapports avec elle. وَكَانَتْ أَوَّلَ مْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَضِيَ anha. أي كانت خديجة أول امرأة تزوج أو تزوجها ولم يتزوج عليها غيرها حتى ماتت رضي الله عنها ولها فضائل وخصائص كثيرة منها ما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة وما رأيتها وما رأيتها لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة رضي الله عنها فربما قلت له كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة فيقول إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد. نعم. Puis il dit, donc Khadija, c'est la première femme que le prophète il a épousée. La première femme que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a épousée, c'est Khadija bint Khuwaylid. Et en plus de ça, il ne s'est jamais marié avec une autre femme jusqu'à sa mort, jusqu'à la mort de Khadija. Jusqu'à la mort de Khadija. Subhanallah. Et donc cela nous montre, entre autres, que Khadija avait des mérites, il y avait des spécificités très nombreuses. Parmi ces spécificités-là, celle qu'a rapportée Aïcha. Donc Aïcha, l'une des épouses de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, elle a dit quoi Aïcha? Elle a dit, je n'ai pas été plus jalouse d'une femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme j'ai été jalouse de Khadija. Comme j'ai été jalouse de Khadija radiallahu anha. Wa ma ra'aytuha, et je ne l'ai même pas vue. Elle n'a jamais vu. Elle n'a jamais vu Khadija. Khadija, elle est morte avant. Donc elle n'a même pas pu voir Khadija. Mais malgré ça, elle était jalouse d'elle. Sans l'avoir vue, subhanallah. Comment ça se fait qu'elle est jalouse d'une personne qu'elle n'a jamais vue? Eh bien, parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il n'arrêtait pas de parler d'elle. Il n'arrêtait pas de la mentionner en bien. Subhanallah. Elle dit,
Il lui arrivait notamment d'égorger une bête, un mouton ou une chèvre, puis de couper la viande en morceaux et de la distribuer entre les amis de Khadija. Donc après la mort de Khadija, qu'est-ce qu'il faisait? Il achetait des bêtes, il les égorgeait, puis il partageait la viande avec les amis de Khadija après sa mort, subhanallah. Après la mort de Khadija, radiallahu anha. Hein? Et des fois, Aïcha, qu'est-ce qu'elle disait au prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Elle lui a dit, c'est comme si sur terre, il n'y a aucune femme sauf Khadija. Elle était tellement jalouse de Khadija qu'elle disait au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, on dirait que tu connais que Khadija. On dirait que sur terre, il n'y a que Khadija, sur terre. Et qu'est-ce qu'il lui disait? Il lui répondait, إِنَّهَا كَانَتْ وَكَانَتْ. C'est-à-dire, elle était comme ci, elle était comme ça, elle faisait ceci, elle faisait cela. Donc il faisait les éloges de sa femme Khadija. Puis il a dit, وَكَانَ لِي مِنْهَا وَلَتْ. Et elle m'a donné des enfants. Pourquoi? Parce que tous les enfants qu'il a eus, c'est les enfants de Khadija. Sauf un. Qui? Ibrahim. Sauf Ibrahim. Hein? Cet enfant-là, il a eu avec Maria. Maria al-Qibtiya. Non. Mais sinon, tous les enfants qu'il a eus, c'est les enfants de Khadija. Subhanallah. طيب قال الشيخ العصيمي حفظه الله تعالى شيخ صالح العصيمي خصت خديجة عن سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بأمور أحدها أنها أول من تزوج النبي صلى الله عليه وسلم يجي للشيخ العصيمي حفظه الله تعالى que Khadija se distingue par rapport aux autres épouses du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par plusieurs choses. Première chose, elle se distingue par le fait qu'elle était la première épouse du prophète. La première femme qu'il a épousée, c'est Khadija. Thaniha, annahu lam yatazawwaj alayha ghayruha aw ghayraha. Deuxième point, deuxième différence entre elle et toutes ses épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait qu'il n'a jamais épousé une autre femme en même temps. Vous voyez, il n'a jamais épousé une autre femme en même temps jusqu'à sa mort. Thalithuha annaha ummu akthari awladi. Troisième point, troisième distinction de Khadija, le fait que la majorité de ses enfants sont les enfants de Khadija. La majorité des enfants de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sont les enfants de Khadija. C'est bon? Tous ses enfants, sauf un. Tous ses enfants, sauf Ibrahim. وَرَابِعُهَا أَنَّهَا أُمُّ أَكْبَرِ أَوْلَادِهِ وَهُوَ الْقَاسِمُ وَبِهِ كَانَ يُكَنَّى وَأَمَّا خَدِيجَ فَكَانَتْ تُكَنَّى أُمَّ هِنْد وَهُوَ وَلَدُهَا مِنْ زَوْجِهَا أَبِي هَالَ وَكَانَ نَكَحَهَا قَبْلَ النَّبِي صَلَّى اللَّهِ وَسَلَّمَ. Quatrième distinction, le fait que ce soit la mère du plus grand de ses enfants. Comment il s'appelle le plus grand de ses enfants? Al-Qasim. Al-Qasim. Et c'est comme ça qu'on, c'est pour ça qu'il est appelé Abul Qasim. C'est pour ça qu'on l'appelle le père de Al-Qasim, Abul Qasim. Jayed. Et donc, Abul Qasim, c'est la kunya du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, Al-Qasim, c'est le fils de Khadija. Donc, c'est aussi un mérite pour Khadija. Quant à Khadija, Khadija, elle avait aussi une kunya. Sa kunya, la kunya de Khadija, c'est quoi? Hind. Ummu Hind. Pourquoi Ummu Hind, la mère de Hind? Parce qu'elle avait un garçon d'un autre mariage. Le mariage, Yannick, d'un homme qui s'appelait Abu Hala. Abu Hala, donc avec qui elle était mariée avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle était mariée avec Abu Hala et avec lui elle a eu donc Hind. Et Hind c'est un prénom, donc on voit ici que Hind c'est pas forcément un prénom de fille.
Ça peut être un prénom de garçon aussi, Hind. D'accord ? Umm Hind. وخامسها النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكح من ذرية قصي بن كلاب سواها وأم حبيبة وهي رملة بنت أبي سفيان واسم أبي سفيان صخر بن حرب. Cinquième distinction que possédait Khadija sur les autres épouses, le fait que le prophète صلى الله عليه وسلم n'a épousé aucune femme parmi les descendants de Qusay ibn Kilab. Qusay ibn Kilab, donc un des grands-pères ou des ancêtres du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Taïeb, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son père il s'appelait Abdul Muttalib, Abdullah. Le père d'Abdullah, comment il s'appelle? Abdul Muttalib. Le père d'Abdul Muttalib, comment il s'appelle? La Hashim. Le père de Hashim, comment il s'appelle? Abdul Manaf. Le père d'Abdul Manaf, comment il s'appelait? Hein? On l'a dit, Qusay. Qusay ibn Kilab. Donc parmi les descendants de Qusay, de ce Qusay-là, ibn Kilab, il n'a épousé aucune femme parmi ses descendants, sauf Khadija et Habiba. Que deux femmes parmi ses descendants. Khadija et Habiba. Taïeb. Donc Habiba, son prénom c'est Ramla. Ramla bint Abi Sufyan. La fille d'Abi Sufyan. Jihid. Et Abi Sufyan, il s'appelait, yani, Abi Sufyan c'est sa cunia. Mais son prénom c'est Sakhr ibn Harb. Sakhr ibn Harb. Donc encore une fois, le fait qu'il ait épousé que deux femmes parmi les descendants de Qusay ibn Kilab, eh bien c'est aussi une distinction pour Khadija. C'est un mérite. وسادسها أنها بشرت خصوصا بالجنة دون سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فبشرت ببيت في الجنة. بشرت ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. Et sixième distinction qu'elle avait Khadija sur les autres épouses, le fait que Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a annoncé qu'Allah tabarak wa ta'ala lui a réservé une maison au paradis. Une maison au paradis, mais n'est pas n'importe quelle maison. Une maison qui est faite de qasab, c'est-à-dire de perles. De perles. Yani de perles creuses, yani, comme on dit les savants. Donc ça c'est une distinction et une spécificité qui a été mentionné que pour Khadija radiallahu anha, dans lequel il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam la sakhaba fihi, pas de vacarme, hein, comme sur terre on peut avoir une belle maison, mais autour il se peut qu'il y ait l'autoroute, il se peut qu'il y ait l'aéroport, il se peut qu'il y ait des gens qui crient, des enfants qui jouent. Là il dit il n'y aura ni vacarme ni nasab, ni fatigue. جيد؟ نعم الله أعلم ثم قال الناظم رحمه الله وولده منها خال إبراهيم فالأول القاسم حاز التكريم طيب قال وولده منها خال إبراهيم فالأول القاسم حاز التكريم وولده ولد جمع ولد مثل أسد جمع أسد يطلق على الذكور والإناث يوصيكم الله في أولادكم كما قال جل وعلا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين طيب فمنها أي من خديجة خالة إبراهيم أي عدا إبراهيم فأمه ماريا القبطية بيجي لوتر رحمه الله تعالى il dit ولده c'est le pluriel de ولد un ولد un enfant طيب ولد des enfants. Wuld, c'est le pluriel de Walid. Comme on pourrait dire, Usd, le pluriel de Asad. Asad, un lion,
Au pluriel, on peut dire usd. Donc walad, on peut dire wuld, le pluriel. Et cela englobe les filles et les garçons. Le terme awlad, il peut englober les garçons comme les filles, awlad. Comme il dit Allah tabarak wa ta'ala dans la sourate al-Baqarah, afan an-nisa, sourate an-nisa, verset 11. Dans le sens rapproché du verset, il dit Allah, Allah vous a ordonné au sujet de vos enfants. Il a dit, fi awladikum, de vos enfants, garçons et filles. Qu'est-ce qu'il dit après? Les zakari mithlu hadhil unthayin. Pour le garçon, l'équivalent de ce que reçoivent deux filles. L'équivalent de ce que reçoivent deux filles dans l'héritage. Là, on parle de l'héritage. L'héritage, le garçon, lui, il prend la part de deux filles. Jayid. Donc, on voit que le terme awlad, il réunit les garçons et les filles. C'est bon? D'ailleurs. Puis il dit minha, c'est-à-dire min Khadija, il parle de Khadija. Wa wulduhu minha, et ses enfants de Khadija, avec Khadija. C'est-à-dire que tous ses enfants sont de Khadija. Khala Ibrahim, sauf Ibrahim. Khala Ibrahim, qui est donc, on a dit, l'enfant de Maria. Maria al-Qibtiya. Radiallahu anha. Fal-awwal al-Qasim. Ay awwaluhum al-Qasim. Ismuhu al-Qasim. Falihada yukanna bihi alayhi salatu wassalam likawnihi awwalu awladihi. Haza al-Takrim. Haza al-Shay yahuzuhu hawzan idha jama'a. Ay jama'a al-Takrim. Puis il dit donc le premier de ses enfants, Al-Qasim. Al-Qasim. C'est pour ça qu'il a été appelé donc Abu Al-Qasim, le père de Al-Qasim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que c'est le premier de ses enfants. Hein? Comme on dirait Yani, Tahir Abu Sani. Parce que Sani c'est hein, le premier. Ou la Sharif. Abou Abou Yassin. Akda ou la? Alhamdulillah. Naam. Donc, Haza Takrim. Haza, il a le sens de Jama'a ici. Rassembler, réunir. Réunir le Takrim. C'est-à-dire l'honorification, les honneurs. L'honorification de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que c'est un honneur pour, un, pour cet enfant-là. Hein, que. Son père soit un prophète et que son père porte aussi la kunya de Abu al-Qasim avec son prénom à lui. ثم قال الناظم رحمهما وزينب رقية وفاطمة وأم كلثوم لهن خاتمة هؤلاء أربع بنات للنبي صلى الله عليه وسلم وجميعهن أدركنا الإسلام فأسلمنا وهاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم روى ابن سعد في الطبقات بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان أول من ولد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة قبل النبوة القاسم وبه كان يكنى ثم ولد له زينب ثم رقية ثم فاطمة ثم أم كلثوم ثم ولد له في الإسلام عبد الله فسمي الطيب والطاهر وأمهم جميعا خديجة بنت خويلد. Puis il dit ici l'auteur رحمه الله تعالى et زينب رقية فاطمة أم كلثوم لهن خاتمة. C'est-à-dire que l'auteur il dit que Umm al-Kulthum, c'est la dernière des quatre. La dernière des quatre qui est née, c'est Umm al-Kulthum. C'est-à-dire que c'est la cadette. La cadette des filles ici, c'est Umm al-Kulthum. D'accord? Et la première, Zainab. Donc ces quatre-là, ce sont les quatre filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et subhanallah, et ces quatre filles, elles ont connu l'islam. C'est-à-dire qu'elles étaient encore vivantes
lorsqu'il est devenu prophète. Lorsqu'il est devenu prophète, elles étaient vivantes. Et elles ont embrassé l'islam. Et elles ont émigré avec leur père. Avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, elles ont fait l'émigration à Al-Médina. Ibn Sa'd, fait Tabaqat, il a rapporté, avec la chaîne de transmission Sulayman ibn Abbas, radiallahu anhuma, il a dit, donc il a dit Ibn Abbas, que le premier enfant qui est né pour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à Mecca, avant la prophétie, donc avant qu'il soit prophète, c'est Al-Qasim. Le premier enfant, c'est Al-Qasim. C'est pour ça qu'on l'appelle Abu Al-Qasim. Puis Zaynab. Donc après Al-Qasim, Zaynab. Après Zaynab, Ruqayya. Après Ruqayya, Fatima. Après Fatima, Umm Kulthum. Puis est né dans l'islam Abdullah. Abdullah. Et Abdullah, on l'appelle également At-Tayyib. On l'appelle aussi Abdullah At-Tayyib. On l'appelle aussi également Abdullah At-Tahir. Abdullah At-Tahir. Et donc la mère de tous ses enfants, c'est qui? C'est Khadija. Donc ça en fait combien? Al-Qasim, Zainab, Ruqayya, Fatima, Umm Kulthum, Abdullah. Combien? 6. Ces 6 sont les enfants de Khadija bint Khuwaylid. وأم كلثوم لهن خاتمة أي أنها أصغر بنات النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف بين أهل العلم في ذلك. Puis on a donc Umm Kulthum qui est la dernière, la cadette, la toute dernière. Donc il dit l'auteur ici que c'est la plus petite des filles. Mais les savants ont divergé. Il dit les savants ont divergé sur qui est la plus petite, la plus jeune. Donc lui, Ibn Abi al-Izz, il dit c'est Umm Kulthum. قال ابن أبي البر في الاستيعاب والاختلاف في الصغرى من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير والاختلاف في أكبر في أكبرهن شذوذ والصحيح أن أكبرهن زينب وقال ابن حجر في الفتح والمتفق عليه من أولاده منها القاسم وبه كان يكنى مات صغيرا قبل المبعث أو بعده وبناته الأربع زينب ثم رقية ثم أم الكثوم ثم فاطمة وقيل كانت أم الكثوم أصغر من فاطمة. Donc il dit Ibn Abi al-Barr fil isti'ab, il dit la divergence sur qui est la fille la plus jeune du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit il y a beaucoup de divergences. Par contre la divergence sur qui est la plus âgée, il n'y en a pas beaucoup. Et il dit ce qui est authentique, c'est que la plus âgées des filles, c'est Zaynab. D'accord? C'est Zaynab. Mais la divergence concernant la plus jeune, elle est présente. Elle est yani, assez importante. Il dit Ibn Hajar, dans Fath al-Bari, il dit ce qui est unanimement reconnu parmi les enfants de Khadija, c'est Al-Qasim. D'accord? Le premier. C'est pour ça qu'on l'appelle Abu al-Qasim. Puis il est mort petit. Donc il est mort petit. Certains disent avant qu'il devienne prophète, il est mort. Certains disent après. Certains disent il est mort après. Puis les quatre filles, Zaynab. Donc lui, Ibn Hajar, il est d'avis que la première c'est Zaynab, la deuxième c'est Ruqayya, mais la troisième il dit c'est Umm Kulthum. La troisième il dit c'est Umm Kulthum. Contrairement à l'auteur qui dit que la troisième c'était qui? Fatima. Fatima. Lui, Ibn Hajar, il dit la troisième c'est Umm Kulthum et la quatrième c'est Fatima. Donc il a inversé à la fin les deux dernières. Les deux dernières, Umm Kulthum et Fatima. D'accord? Et à la fin il dit, waqila, et certains disent que Umm Kulthum c'est la quatrième et que Fatima c'est la troisième. Donc il y a divergence sur les deux dernières. C'est bon? Alhamdulillah. Fa naktafi bihada inshallah ta'ala. Wa l'ilmu inda Allah. صلى الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا
ما ينفعنا انفعنا بما علمنا والله تعالى أعلم. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون.